son amoureux, le ramoneur. Moi, je suis sa petite bergère. Rien n'était censé nous séparer. Mais il a quitté notre pays imaginaire, la tachycardie. C'est l'histoire que Jacques Prévert avait écrite. Quand j'étais gamin, ma mère me lisait des histoires. Mon père m'emmenait au théâtre et au cinéma. J'aimais mieux ça que l'école. D'ailleurs, j'en suis parti à 14 ans de l'école. J'ai fait 1000 petits boulots, comme par exemple de remonter les pendules d'un grand magasin. Je les décalais exprès, ça faisait comme une symphonie. Eh bien, on ne salue plus, dit le commandant. Non, on ne salue plus, a répondu l'oiseau. Oh, désolé, je croyais qu'on saluait. Mais vous êtes tout excusé. Tout le monde peut se tromper. Jacques Prévert, l'école, il n'aime pas tellement ça. Il faut dire qu'à son époque, l'école, ce n'est pas franchement drôle. On se contente de vous faire répéter sans cesse les mêmes choses par cœur. 2 et 2, 4. 4 et 4. 8. Et 8 font 16. Jacques Prévert écrit une fable, ils ont respecté tous les codes. C'est-à-dire que les personnages, comme souvent, en sont des animaux. Ici, un chat qui a à moitié dévoré un oiseau. C'est une histoire triste. Et comme dans toute fable, il y a également une morale, c'est-à-dire une leçon de sagesse, une vérité. Ici, il ne faut jamais faire les choses à moitié. Les aimes tendrement. On n'enterre pas les feuilles sauf quand on est un poète. Mais